Murabona ngene batavuka neza nabona biro ya nyine cyuwe ukuru y'ubu cyacu bati uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ridakumira aba rero murazi yuko mbere Gracias.
kukomeye cyane kugira ngo nabo uhinga kurukana bimenyetso bakurateye imbere ibintu ntibice Coopérative pour le développement de la femme.
urumva yuko ni koperative igira itsinda umukenyezi ntasigara inyuma mu iterambere ministère de l'éducation nationale de la recherche scientifique urumva yuko éducateur mobilisons nous pour une digitalisation innovante en faveur de l'égalité de genre. Aba rero ni babandi baranezerewe cyane bagenda baratwenga twenga umunsi mukuru barazi imbaro wabo ni bangorora bumenyi kuko n'abahinga mu kugira umuntu icyari uno munsi rero mubakomera amashyi menshi cyane kuko mubasigere kenshi ishure icyo isa muri ubwo bushyiranganji turabona na kaminuza
cegera cy'umukuru w'icyacu cy'u Burundi nagere mu nkundire dukengurukira Imana mushobora byose iyo yakunze mwebwe mwese ko Imana bashoboje mugashika muri kino kibanza nihagwe icubahiro reka tuyikomere amashimwe cyane rwose Mukirimba cy'ijuru zizigira Yesu gusa Nyakubahwa igacu mukuru y'ucacu u Burundi ku izina yabe n'igihugu b'intara cy'itoke no ku izina ryanje nyene niteka yuguha ikaze nyakubahwa nabo bose bari hano bateyiteka intara cy'itoke kuri iri genekerezo rya 8 ntwarane 2023 aho turamutse kwigina umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi nsabe abari ngaha bantize amashi menshi cyane twakire nyakubahwa icyo gato mukuru y'u cyacu iyi ntara ikaba itekanye abenegihugu bakaba bari ku kivi mu bikorwa byo kwiteza imbere icivugo cy'uyu munsi uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi rirakumira abakenyezi bahurikiye mu ihuriro ry'abakenyezi mu ntara yacu nziza cy'itoki bafashe iya mbere mu guhimiriza abakenyezi bagenzi babo kuja mu makoperative mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana muntumbero yo kwiteza imbere mu miryango yabo badasize inyuma n'igisata cy'ubuhinga ngurukana bumenyi ubuhinga ngurukana bumenyi n'ubuhinga bugezweho bunyaruka butuma abantu batari kumwe bashobora gukorana guhanahana ibyumviro guhanahana ibitigiri ufatirwa ko mutegura imigambi iterambere nibindi nibindi nyakubahwa cegera cy'umukuru w'icyacu Burundi ntitworangiza iri jambo tutongeye gukenguruka kwiteka mwateye intara yacu ya cibitoke tubifuriza kuroranirwa umwanya wose muza kumara muri iyi ntara nziza cibitoke tugira amahoro sangwa amahoro umutekano ubutunga n'iterambere ndakumira murakoze imana ibahezagira Icubahiro imana yaturinze kuva bukicha nitwa Clara Nyangwe mserukira onufa mu Burundi Monsieur le vice-président, permettez-moi maintenant de continuer en français. C'est un plaisir pour moi,
au nom du coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi, de me retrouver parmi vous à cette cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque année le 8 mars. Au nom du secrétaire général des Nations Unies, au nom de mes collègues du système des Nations Unies, au nom des partenaires au développement et à mon nom propre, je voudrais exprimer nos sincères et vives remerciements à vous, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, et à votre gouvernement qui, à travers le ministère ayant le genre dans ses attributions, a rendu possible ce rassemblement. Merci encore de nous avoir associés à cet événement qui est d'une très grande importance pour notre cher très pays, le Burundi. Nous voudrions saluer la présence des honorables députés et sénateurs, des membres du gouvernement et du corps diplomatique et consulaire, un signe éloquent qui témoigne et illustre leur engagement à promouvoir les droits de la femme. Permettez-moi donc, Excellence, Monsieur le Vice-président, de souhaiter bonne fête à tous nos mamans, nos grands-mères, nos tantes, nos sœurs, nos filles et bien sûr nos frères et nos fils qui sont rassemblés ici et à ceux qui ne sont pas ici mais qui fêtent à travers tout le Burundi et qui nous suivent des quatre points cardinaux. Excellence Monsieur le Vice-président, devenue une tradition au Burundi, la commémoration de la Journée internationale de la femme constitue une belle occasion pour 1. Réfléchir sur le statut et la condition de la femme. 2. Dresser le bilan des progrès réalisés par rapport à nos engagements à promouvoir l'égalité hommes-femmes ainsi que l'autonomisation des femmes grâce aux technologies de l'information et de la communication. 3. Célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires talentueuses qui jouent une partition extraordinaire dans la construction et l'organisation de la vie sociale, politique et économique. Appeler à plus d'actions en faveur de la réalisation tant attendue de l'égalité des sexes et autonomisation des femmes. Excellence, Monsieur le Vice-président, distingués invités, mesdames et messieurs, cette année, les Nations Unies ont placé la Journée internationale de la femme sur le thème « Pour un monde digital inclusif ». Innovation et technologie pour l'égalité du genre. Ce thème met en évidence la contribution des femmes et des filles qui promeuvent les avancées des technologies transformatrices et l'éducation numérique. Le thème retenu au niveau national, un leadership engagé pour une digitalisation innovante en faveur de l'égalité de genre, devient plus significatif car la prise en compte du genre dans la conception, le développement et le déploiement des technologies est plus qu'une nécessité pour un développement inclusif. Excellence, Monsieur le Vice-président, ce grand rassemblement aujourd'hui ici au stade du Buganda, dans cette très belle province de Cibitoke, met en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne et facilitée par les technologies de l'information et la communication. Le lien entre genre et digitalisation est d'autant plus visible dans les pays où les femmes deviennent de plus en plus victimes de violences
y compris par le biais des technologies. Excellence, Monsieur le Vice-président, le Burundi étant parmi les pays où la présence de femmes et de filles dans la filière d'éthique est limitée, nous saluons les efforts fournis par le gouvernement du Burundi pour l'élaboration et l'adoption de la politique nationale de développement des technologies, de l'information et de la communication, le MIDIS 2025, qui reconnaît le besoin d'amélioration et d'adaptation du cadre politique, juridique, réglementaire et de régulation à l'ère de la convergence. Permettez-moi de partager quelques idées susceptibles d'aider à améliorer le rôle de la femme dans la digitalisation innovante et inclusive. 1. Donnons la priorité à l'équité et à l'inclusion numérique dans toutes les politiques numériques nationales. 2. Considérons et reconnaissons les capacités et habiletés des femmes et des filles en tant que créatrices, promotrices et décideuses de technologies. 3. Finançons et faisons en sorte que les femmes bénéficient de l'architecture du financement numérique. 4. Offrir un accès sûr, inclusif et égal au TIC à toutes les femmes et les filles. 5. Mettons l'accent sur l'éducation pour créer les conditions d'environnement d'apprentissage numérique sensible au genre. Et 6. Œuvrons pour la protection et l'utilisation des données ventilées par sexe pour orienter la politique et la programmation sensible au genre. Monsieur le vice-président, permettez-moi de souligner l'engagement sans équivoque du système des Nations Unies et des autres partenaires pour l'égalité hommes-femmes et la prise en compte du genre dans les programmes de développement durable. Je ne saurais citer toute initiative de système des Nations Unies en appui aux actions du gouvernement dans le domaine de lutte contre les disparités hommes-femmes dans les différents secteurs de la vie nationale. Dans le secteur digital, je mentionnerai à titre d'exemple la mise en œuvre du programme nommé Skills for Girls, qui vise particulièrement les filles non scolarisées âgées de 15 à 19 ans. L'implantation de guichets uniques provinciaux dans toutes les provinces du pays. L'octroi de stage aux jeunes filles pour leur immersion dans le monde professionnel d'éthique et la participation dans la mise en place des projets de digitalisation. La mise en œuvre du programme African Girls Can Code Initiative, dont le Burundi est bénéficiaire en collaboration avec l'Union africaine. Appui à la mise en place d'une plateforme digitale sur les compétences féminines. Appui à l'organisation de la semaine des innovations au profit des jeunes. Création de télécentres pour rapprocher l'éthique des populations provinciales. Dans le milieu rural, l'utilisation de plus en plus de téléphones mobiles par les femmes et les jeunes filles bénéficiaires de programmes d'autonomisation socio-économique. La digitalisation de l'administration publique avec la mise en place d'un portail d'information sur les procédures administratives en ligne appelées ISOCO avec le ministère de la fonction publique. La mise en place d'une base de données législative en ligne. Le renforcement de la base de données sur le VBG et un réseau d'alerte rapide auprès du ministère en charge du genre. La mise en place d'un comité d'un centre multimédia à Ruigi avec l'Internet haut débit pour permettre aux jeunes en général et aux jeunes filles en particulier de se familiariser avec le monde digital et surtout d'en tirer tous les profits pour leur développement.
Au nom du système des Nations Unies, je prends l'engagement de maintenir cet élan de coopération agissante, notamment à travers le plan cadre de coopération pour le développement durable du Burundi, signé par le gouvernement et les Nations Unies en décembre 2022. La question d'éthique ainsi que l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes figurent parmi les priorités de ce plan cadre. Nous veillerons à en faire un levier de prospérité du peuple burundais. Excellences, Monsieur le Vice-président, distingués invités, Mesdames, Messieurs, avant de clore les propos, permettez-moi de réitérer mes vives remerciements à vous, Excellences, Monsieur le Vice-président, pour l'attention que vous avez accordée à cette journée de célébration de la femme et de la fille. Mes vives remerciements à vous, délégués de Madame la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, ainsi qu'au comité d'organisation, pour avoir tenu le pari, celui de donner du contenu à cette édition 2023 de la Journée internationale de la femme. Que vivent le Burundi et les Burundis, que vivent les femmes et les filles, les hommes et les garçons du Burundi. Joyeuse fête à toutes les femmes et filles du monde en général et celles du Burundi en particulier. Tugira mahoro, burakoze cyane, Imana ibahe zagire.
arakura arategea araseru kiri gihugu arareme shugo nikiba Thank you.